jamais vous répondez bon à ce sondage, cette barbe n'existera plus. Je la taillerai en live devant vous à blanc. Ouais, c'est à égalité. Là, c'est un manchot, quoi. Comment je vais faire, moi? T'imagines, on va être comme ça, genre sans barbe. Ouais, plus qu'à espérer que ça reste à égalité. Yo yo yo, la sainte tondeuse est là, elle est présente, elle est prête à être utilisée. Je mirais cette magnifique barbe une toute dernière fois avant de lui dire au revoir. Ça fait 2 ans que je t'ai vu sans barbe, c'était au confinement la dernière fois. Et... Ouais, c'était qu'une seule photo. Hein. Là, je le fais devant tout le monde, tu vois, donc c'est encore pire pour moi. Là, ça va être compliqué, là, parce que moi, faut savoir que j'habite dans une petite ville de Concarneau de merde, tu vois, et en fait, tout le monde se connaît, tu vois. Donc quand je vais chercher mon produit de Clopelec, quand je passe au magasin prendre un truc, machin, tout le monde voit qui je suis et je vois... Qui est tout le monde, tu vois. Vous avez bien compris, si on fait tout ça, c'est surtout pour que dès que l'album sera sorti, vous alliez l'écouter et nous donner vos super retours, que vous mettiez ça dans vos playlists, parce que quand même, c'est un an de boulot, donc je vais faire un truc pour ramener des e-girls vite fait, je reviens. Voilà, c'est bon. Regarde, tu vas voir celle-là ou pas? Hein? Bah ouais, tu vois. À tout moment, je fais ça, hein. Ok, vous commencez à être pas mal, donc je vais commencer à poser ma première question. Faut bien que je commence par quelque part, tu vois. Ok, ça y est, on est à 15 personnes. On va pouvoir commencer. Est-ce que c'est le moment que je regrette le plus de ma vie, peut-être? Bon alors, on va faire un truc. Vous voyez bien cette barbe, regardez-la une dernière fois avant qu'elle s'en aille. Il parle pour lui, hein. Dites-moi, le menton, qui est pour le menton en premier? Sous le nez. Non, sous le nez, je garde pour la fin, ça. J'avoue que sous le menton, ça peut être marrant. Vous allez voir, je vais être 2 fois plus viril sans ma barbe. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie, quoi. Je ressemble au bouffe des années 80, là. T'es fou. Putain, qu'est-ce que je suis en train de branler, quoi. En soi, c'est pas si fou, tu te rases juste la barbe, mais c'est la raison. Oui, c'est la raison pour laquelle je me rase la barbe qui est incroyable, quoi. La situation est unique en son genre. T'imagines, ma tondeuse, elle tombe en panne à ce moment-là, tu vois. Imagine, j'ai pas ça chez moi, tu vois. J'ai aucun rasoir, j'ai rien. Comment je fais, genre? Non, mais là, on dirait Mario, frérot. Yahoo! Here we go! Alors, on va un peu les commentaires. On dirait un castor, ouais, merci. C'est super sympa, ça. Voilà, là, je me sens très seul, là. Bah, vous avez beau être là, mais franchement, j'ai vraiment l'impression d'être seul, quoi. Si. Le parmesan. La pizza. Ouais, vas-y, Gérard, sors le capteur, là, putain. Je t'attends depuis tout à l'heure, là. Et la poupée gonflable, tu la mets. En vrai, c'est bien moins pire que ce que je pensais. Petit duvet, enfin, cette repousse. Bon, bah... Non, mon dieu. En fait, il y a certains points de vue, ils sont incroyables. Lequel est le pire, à ton avis? Bah, coupe-toi la moustache. Ok, alors attends. Je regarde un peu les commentaires, là, des abonnés, là. J'ai une demi-molle. Ok. Ok. Est-ce que vous êtes prêts pour le grand final? Je sais qu'il va y avoir une certaine blague à un certain niveau de moustache. Niveau charisme, là on est pas mal. Ça me rappelle un peu un vieux pote à moi. Ah ouais, l'acteur là. Ouais, dans les années 30. Acteur de film muet, c'est ça. Ouais, un acteur de cinéma, ouais. Il y a eu pas mal de films sur lui d'ailleurs. Je sais pas, j'ai une idée là, j'ai envie d'aller en Allemagne. Oui, l'Allemagne, oui, c'est un bon pays. Aucune blague à faire dessus. Je vais regarder les petits commentaires là. Et moi, 3 gosses, oui, bah avec plaisir, surtout avec cette moustache, ça doit donner envie à tout le monde. Bon bah, on va passer à l'enfant de 17 ans. Le stade où vraiment on enlève tout ce qui reste, quoi. Il y a de quoi faire, tu vois, mais... Bah, tout ça, là, je vais l'enlever. Faites avec ça, tu vois. Oh, gros. Quelle honte, frérot. Oh là là. Ouais, j'ai pas de vie, ouais. Voilà à quoi je ressemble. J'essaie de raser au mieux. Il y a toujours des trucs qui sont là. En vrai, ça va, en vrai. Parce qu'une barbe de mal alpha, tu vois, ça part pas si facilement. Puis n'oubliez pas que je fais ça pour que derrière, vous alliez... Hein, écouter l'album quand il sortira, hein, bande de petits bâtards. Hey, comment ils vont, les gars? Toi, t'es un bâtard parce que tu dis que tu vas tout raser, t'as la même barbe que moi actuellement, là. Donc, frérot... Regarde ça, mec, ça me fait trop chier, là. Tu sais, j'ai toute ma barbe, c'est toute ma vie, ma moustache et tout. Avec toi. Moi, je crois. Là, avant, tu descendais plus bas, mais j'ai taillé un peu. Rigole tant que t'as encore des dents, ouais. Fais le malin, je connais ton adresse. Après, t'aurais pu raser ton crâne aussi, quoi. Non. Oh, cet angle de vue est parfait, je pense. Bah, voici le résultat final. Les gens qui n'ont pas vu ce live, vous êtes tous des... Bon bah écoutez les gens, sur ce fut sympathique. Gros bisous, à la prochaine. À bientôt.